La pêche a été très bonne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez apprécié le petit clip des magasins de jeux à Paris. Alors, je vous cache pas que j'ai halluciné sur certains prix de jeux rétro, notamment sur les jeux Pokémon sur Game Advance, des jeux que je possède déjà. Mais quand j'ai vu les prix, je me dis, mais heureusement que je les ai déjà, parce que là, j'en ai pour une fortune, quoi. Déjà, rien que ça, 1500 balles le jeu PS2. Bon, je veux bien qu'il soit neuf, mais... Waouh, c'est impressionnant quoi. Bref, de mon côté, mon bilan est très positif comparé à la dernière fois. J'ai récupéré 4 jeux à République plus un autre dans un magasin cash en banlieue parisienne. Bon, lui, il était pas du tout prévu. Merde, le téléphone. Je lisais donc un jeu que j'ai pris en banlieue parisienne dans un magasin cash et les 4 autres à République, et c'est des jeux que je cherchais de base, donc tant mieux. Je vais d'abord vous montrer donc le jeu que j'ai pris à cash, et parce que c'est aussi le moins cher. Et c'est un jeu PS5. Il s'agit de Away the Survival Series. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu d'action-aventure qui fait un peu documentaire animalier, où vous incarnez un petit animal qui sauve sa famille de divers prédateurs. Ce jeu, je l'ai chopé à 14,99€, bon, on va arrondir à 15, comme ça on fera la somme finale. Alors ce jeu, je l'avais l'année dernière sur PS4, mais il était full buggé. Et la version PS1 qui était mieux optimisée, donc bon, vas-y, pour 15 balles, je me dis, bon, vas-y, on va laisser une deuxième chance. Premier jeu que j'ai pris à la République, c'est un jeu DS à 20€, et il s'agit des Simpsons. Ah là là, qui n'aime pas les Simpsons? Et malheureusement, c'est le dernier jeu Simpson qui est sorti sur console. Après, il y a eu le jeu mobile Springfield, auquel j'ai joué énormément, mais j'avais arrêté parce que j'avais perdu ma sauvegarde en changeant de téléphone. C'est dommage. Alors le jeu, je le possède aussi sur PS3, mais ce qui est marrant sur ce jeu, c'est que peu importe la version que vous prenez, que ce soit sur PS2, PS3, 360, Wii, etc., la jaquette n'est jamais la même. Chaque plateforme a sa jaquette unique, et ça c'est cool. Et la particularité de la version DS, c'est que ce jeu a un gameplay complètement différent des autres. En gros, sur toutes les versions console de salon, plus la version PSP, ce sont des jeux d'aventure en 3D. Ce qui n'est pas le cas sur DS, c'est un jeu entièrement en 2D. Et ça c'est cool, car moi je préfère la 2D à la 3D. Et un autre point que je n'ai pas précisé, c'est que ce jeu est entièrement doublé avec la VF officielle. Donc c'est cool. Deuxième jeu de République, c'est un jeu PS1, et c'est un jeu que j'ai fait en démo. Pour la modique somme de 25€, il s'agit de Akuji The Earthlest. Je pense que beaucoup de gens comme moi ont connu ce jeu grâce au CD de démo, et qui depuis l'ont complètement oublié. Enfin, je me rappelais du gameplay en tête, mais le titre du jeu, j'en avais plus aucun souvenir. Et j'ai trouvé le titre grâce à une compilation de jeux PS1 sur YouTube. Mais sans ça, je l'aurais jamais retrouvé. Et ça va, j'ai pas trop eu de difficulté à le trouver, mais en tout cas, je suis super content de l'avoir trouvé complet. Et au moins, je pourrais le faire entièrement cette fois-ci. Avant-dernier jeu de mes achats, c'est un Limited Run, un jeu sur PS4, pour 65€ 9. C'est un jeu qui est de base sorti sur PS1 et que la version originale coûte une blinde. Mais là, je peux au moins faire les trophées platine et puis je voulais pas claquer 600 balles là-dedans. Il s'agit de la compile Castlevania Requiem. Alors, je vous avoue que la série Castlevania ne m'a jamais attiré. Mais comme c'est ce Castlevania qui a inventé le terme de Metroidvania et que je me suis mis assez récemment et que j'adore ce style de jeu, et ben du coup, ben pourquoi pas faire le patient zéro des Metroidvania. Et pour finir, dernier jeu, c'était un jeu Game Boy Advance en bon état, en état correct si je peux dire. Et c'était un jeu que j'ai voulu faire quand j'étais gamin, juste pour une pub, je vais vous montrer l'extrait après. C'est Yoshi's Universal Gravitation. De mémoire, c'est le tout premier jeu de Nintendo en dehors de Pokémon qui m'intéressait quand j'étais gamin. Il n'y avait que Pokémon qui m'intéressait. Mais le reste, je m'en foutais, mais complètement. Et cette pub à la télé m'a donné envie. Pour jouer à Yoshi Universal Gravitation,
Vous devez pencher la console à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça déchire. Défiez les lois de la gravité avec Yoshi Universal Gravitation et son capteur de mouvement. Exclusivement sur Game Boy Advance. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais eu. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis super content de l'avoir enfin trouvé, et sachant que je le cherchais la dernière fois en novembre, et il n'était pas là. Et là, premier magasin que j'ai fait, donc à full set, bah, il était là. Donc bah, j'en ai profité. Ce qui est un peu dommage, c'est que la boîte est en bon état, si je peux dire. Mais à l'intérieur, c'est un peu pourri, enfin, il y a un peu d'humidité, je trouve. Enfin, ça sent l'humidité. Mais ça va, ça reste pour moi tolérable, donc ça va, j'ai connu pire. Mais en tout cas, je suis super content de l'avoir, car c'était un jeu que je cherchais depuis longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et si vous avez fait un des 5 jeux que j'ai montré en vidéo. Sur ce, à la prochaine pour d'autres vidéos.